Salut les potos, info actu de dernière minute. Alors que les fragments de fil obscur devaient être déverrouillés à partir du 7 mars pour les uns et de l'après-raid pour les autres, Bungie a finalement fait volte-face. Dans une toile sortie hier, ils nous disent « Alors que de nombreux joueurs terminent la campagne d'Eclipse et découvrent le fil obscur, nous avons déjà reçu des commentaires et retours constructifs. Comme pour n'importe quelle doctrine de Destiny 2, nous voulons nous assurer que le fil obscur soit intéressant et agréable à utiliser une fois sa pleine puissance maîtrisée et que cette évolution ne s'arrête pas dès le premier jour. C'est pour cela que nous avons décidé de sortir une mise à jour qui permet à tous les joueurs de déverrouiller la possibilité d'obtenir tous les fragments de fil obscur. » Bon, alors d'après les quelques infos que j'ai lues et entendues un petit peu partout, hein, ces fameux commentaires et retours constructifs seraient tout simplement que pour certains joueurs, la possibilité d'avoir au moins les premiers fragments ne fonctionnait pas et était face à l'impossibilité de débloquer la doctrine tout simplement. Bref, du coup, à la poubelle, on va les faire patienter et faire durer le plaisir. Comme vous pouvez le constater, c'est déjà actif. Finalement, nous pouvons désormais acheter tous les fragments disponibles pour la doctrine Le Fil Obscur. Allez, on se retrouve plus tard dans la journée pour d'autres vidéos. Ciao, bye bye les potos.